réaliser ce retournement, le lutteur offensif commence par s'allonger à côté de son partenaire, comme s'il allait réaliser une finale costale, mais en sens inverse. Puis il vient se saisir des deux jambes de l'adversaire pour parvenir à glisser une de ses jambes sous les cuisses de son adversaire. Il vient ensuite serrer les deux jambes de l'adversaire en pince de crabe au-dessus de la hauteur des genoux. Tranquillement, il vient se redresser pour se remettre à genoux en verrouillant les deux genoux de son adversaire. L'ensemble de la ligne du bassin bascule alors, suivi de la ligne des épaules. Pour accentuer le retournement, le lutteur vient engager le bras sous l'aisselle du partenaire, puis vient la poser derrière l'omoplate. De cette façon, le lutteur offensif assure le tombé d'eau en mettant à plat la ligne des épaules. Ce retournement amène naturellement vers une finale par-dessus.